Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir cliqué, c'est sympa, j'apprécie ça. Franchement, toi là qui l'a fait, franchement, mais waouh! Ça fait beaucoup dès le départ. C'est vrai, c'est peut-être un petit peu trop d'énergie et peut-être trop de personnes. Avez-vous remarqué une différence par rapport aux 127 dernières autres vidéos? Thomas a changé. Oui, absolument. On s'est divisé en deux. Ça fait beaucoup d'infos parce qu'effectivement, Thomas n'est pas là, il est là. Bonsoir, mon ami, à toi! Ah, il est là. Et je vous présente après parce que les gens ont l'habitude. On a l'immense honneur d'accueillir Raven et Neoxy. Hello. Oui. Bonjour. Hello. Maxime, bonjour. Ça va? Trop content qu'on est avec toi, mec. C'est... Ah, wow. Excuse-moi. Ça me fait plaisir, mais c'est... C'est pour Maxime, oui, c'est ouais, vrai, à la base. C'est une candidature. Merci. Pour venir ici. Moi aussi, on a été pris. Ah, wow. Et bien sûr, on a Raven. Oui, Raven, enchanté. Ta chaîne est dans la description, la tienne. Merci aussi, beaucoup. T'inquiète. Oh, yes. La tienne? Oui, vous avez votre chaîne, bordel de merde. C'est vrai, maintenant, la notre chaîne aussi. Oh, putain. Ah, pardon, je viens d'avoir une révélation, c'est un truc de ouf. Oh. Putain, il m'a pas reconnu. T'es le mec du Fantaxiou. C'est exactement ça. Je peux faire une photo. Je suis très content de vous avoir, les gars. C'est parce que cool, je voulais merci. Faire une version petite prison contre grande prison, version duo. Je récapitule le concept, même si peut-être vous commencez à le connaître, puisqu'on est à l'épisode 3, il faudra quand même commencer à suivre. Il y a une grande prison avec beaucoup de débattements, beaucoup de confort, et une petite prison avec très peu de débattements. Mais la grande prison est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus solide, tandis que la petite prison, elle, est plus facile. L'avez-vous compris, le concept? Oui. Donc c'est la première équipe des deux, évidemment, qui s'évade. Ah oui, ah, faut que je dise un truc aux gens. Depuis le début de ma chaîne, pour la première fois, je suis un présentateur du journal de 20h. Ouais, c'était de la cire d'oreille. C'est une crotte de nez. C'était... Okay. À l'intérieur de mon oreille, j'ai Yann qui globalement me dit « Replace-toi, t'es hors-champ, il est con, lui !» 10 ans YouTube, il sait pas encore. Avec Raven, on fait à peu près la même taille, et ouais. C'est très visuel ce qui se passe. Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est pas seulement que vous faites la même taille, c'est qu'il y a le plus petit au milieu. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ah. La formation Eagle, comme on dit. Hein. Messieurs, dames, ça aussi, c'est visuel. Wow. Des jetons de couleur, je vais les mettre dans ma main. Ouais. Vous devez deviner la couleur, c'est la couleur de votre prison en fait. Toute la vidéo se joue là maintenant. C'est toi qui choisis, c'est moi qui choisis. C'est toi. Honneur aux invités, messieurs. Je te fais confiance. Vous voulez quoi? Vu nos tenues, c'est mieux d'être là-dedans parce qu'on est compressé au max. Oui. Je dirais à droite. Attention, j'ai fait un choix comme si ça me paraissait évident, que ça allait être ça. Hein. Je t'en voudrais pas, Valentin, je vais te tuer. Je t'assure qu'il y a un jeton rouge là-dedans. Je suis la reine des petites puputes si c'est okay. Un jeton noir. Okay. Je suis la reine des puputes. Allez! Mais c'est une blague, mais frérot, mais c'est fou! Pourquoi j'ai toujours les pires choix dans YouTube comme ça là? Yes! Messieurs, dames, c'est parti pour petite prison versus grande prison challenge! Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas ouf! Bon, ça fait très Yu-Gi-Oh! Moi j'aime bien! Ok, cool! Hey! Je t'avais même pas vu! C'est tellement grand! Bon. Franchement, je ne sais pas quoi choisir entre m'asseoir sur cette table. Il y a tellement de mobilier que vraiment je confonds les... Non, ils ont mis une table qui n'a pas assez de place oui, pour se mettre sûr. En vrai. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi être un tableau, tu vois, histoire de c'est pouvoir décorer. C'est un Andy Warhol. Moi, j'ai vraiment pas l'impression d'être en prison. La dernière fois, mais c'est... T'étais tout allongé au sol. C'était hardcore, je pouvais pas me mettre debout. Oui, 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 l'enfer. C'est très inconfortable. Ici, j'ai envie d'y vivre, un en fait. Un petit manque d'intimité, tout de même. Rapport à ça. Rapport à ça. Oh, on est plus à ça près, Yvan. Je crois que j'aurais aucun souci à chier à côté de toi, Yvan. Ah ouais. Ouais. Messieurs, vous avez pris possession de vos petits cocons. Oui. Le challenge, oui. Évasion de petite prison contre grande prison, commence maintenant. Bon, mon petit loup, t'es prêt ou pas? Non, mais ce qui est bien, c'est que je t'en veux pas, Valentin, si. C'est pour ça que je voulais que tu choisisses, attention. Tu me touches pas, tu me touches pas. Voilà. Wow. Ça fait vraiment 3 minutes qu'on est dans cette prison et je sens qu'il y a déjà des tensions entre nous et ça peut très mal se passer. Tensions sexuelles, évidemment. Non? C'est pas forcément comme ça. Oh là, attention. Pardon. Il fait très très chaud, déjà dans un premier temps. C'est ça qui ressentent les aliments dans un four. D'accord. Comment il va toi? Ça va super. On est plutôt content. Tu vois, on peut même danser la polka. C'est la polka ça? Je sais pas. Pas. Culturellement, c'est affligeant ce que vous proposez. Voilà, voilà. Je vais faire un premier test. Ah. C'est dur, c'est du BA13. Et il y a de la mousse expansive derrière, ce qui m'inquiète beaucoup. Ouais. Eh les garçons là. Oui. Ça va bien chez vous? Voilà, on a déjà une heure pour commencer. Les gens du coup vont penser que c'est fake et qu'on peut enlever tous les barreaux un par un. Et qu'en fait vous pourriez sortir depuis ouais. Le mais non. Premier outil, je vous passe des petits gants. Ah mais ça c'est juste pour se protéger, voilà. Y a rien à voir avec la... Voilà, ça n'aidera pas. On dirait quand tu sors de la piscine, t'as déjà ces doigts comme ça. Là, c'est exactement ça. Moi je découvre quelque chose quand t'es dans une grande prison comme celle-ci, c'est que t'as pas nécessairement envie de t'évader tout de suite. Je te fais une petite confidence sur une des couches. Imagine qu'entre deux couches on est rempli de Lego. C'est un exemple, mais c'est pas ça. Du coup quand tu creuses, forcément ça tombe. Imagine qu'à la place des Lego ce soit des trucs dangereux. D'accord. Bah c'est ça qu'il y a. Allez. Un mur de lame de rasoir. Premier outil. Merci. Prends garde. Je suis le chevalier du cul. Alors, oh, je crois que c'était pas comme ça qu'il fallait l'utiliser. 1, 2, 3. Ah, ça fait mal, ouais. Ah, fait ce mal. Qui est bien, c'est que ça a donné rien. Faut qu'on essaie de taper un peu au même endroit. Je mets un premier coup. Ouais, vas-y. Comme ça, ça marque.
ça a vraiment très marqué. Ça marque ta peau. Ça n'a rien marqué du tout. Les candidats disposent de téléphones rouges permettant d'appeler d'une cellule à l'autre pour troquer des outils, par exemple. Ce con, il a décroché, mais il écoute pas le téléphone. On peut les espionner comme ça. Ah, là, vraiment, ils entendent très bien. J'ai besoin de prendre du recul avec la situation, Valentin. Pareil, laisse-moi faire un petit tour dans la cellule, s'il te plaît. J'ai fait un tour dans la cellule, on peut se remettre à... T'as dit quoi sur ma mère, là? Si, si, c'est pas mal, là, ce que tu fais. Ça commence déjà à se fragiliser. À se fragiliser. Ça fait du bien. Oh, wow. Regardez. Wow. Le mec. Je deviens fou. Vas-y. Balance. Mais oui. Oh, t'as fait pareil, ça fait trop du bien à l'esprit. Ouais. Oh oui. Oh oui, ça marche bien. On attend les premiers outils, on peut pas se faire chier, non? Je prendrai le couvercle. Attends, regarde, mec. Non. Putain, c'est bien. Par contre, ça. Pour couper des parts de pizza, ça fonctionne. Oh, la roulette à pizza de zinzin. Allô? Attends, excuse-moi, ça sonne. Oui, allô? Comment ça se passe chez vous? Oh, écoute, on a commencé à prendre possession un petit peu de l'appartement. On a fait quelques trous, peut-être un peu trop béants. Ils traînent pas les oiseaux. Ouais. Ils ont fait quelques trous déjà. En termes d'asphyxie, vous êtes comment? En termes de? J'entends bien, mais ça fait. Ça ne fonctionne pas, on va se parler par la fenêtre, ce sera beaucoup mieux. Comment ça se passe chez vous? En tout cas, le réseau est beaucoup mieux. C'est fou à quel point vous avez l'air d'être à l'aise. Ah, non, on est très à l'aise. C'est fou à quel point vous avez l'air d'être debout déjà. Est-ce que ça se voit qu'on est rouge? Il fait très chaud dans la prison. Bah nous, il commence à faire chaud, du coup j'imagine. Vous avez une hauteur sous plafond. Oui. Nous, on a juste une hauteur sur les côtés. Messieurs, je n'ai qu'une seule chose à dire. Ouais. C'est la roue des couleurs. C'est la roue des couleurs. Let's go. La roue des couleurs. C'est la roue des couleurs. C'est la roue des couleurs. C'est la roue des couleurs. Allez, une couleur, un outil. Chaque outil est étiqueté derrière ce rideau noir. Donc ça correspond à un outil. Faites pas chier, c'est facile à comprendre. Faites un effort. Qui veut commencer? La roue des couleurs, c'est la roue des couleurs. Non. Ok. Mais tranquillement. C'est la première fois que tu joues à la roue des couleurs, c'est la roue des couleurs. C'est la première fois que je joue à la roue des couleurs, c'est la roue des couleurs. Ça va être long son âge. Je souffle ou est-ce que je peux arrêter ma main? Non, tu peux y aller. Attends, je... C'est parfait. Et il tombe sur le jaune. C'est une incroyable partie de la roue des couleurs. Je vais te chercher ça de suite. Tu sais que je pense à un petit mal de crâne. Je crois que ça cause du placo. Non. Tu veux dire les effets d'effluves nocives? Ouais, très certainement. Pas du tout. Vous avez un marteau, mais dans un matériau moins solide que le matériau sur lequel vous allez taper. Ok. Oh, un maillet en hêtre. Ah, nul. On peut pas se tourner. Vous aussi, vous allez jouer à la roue des couleurs. C'est la roue des couleurs. Non, attends, attends, attends. Elle va moins bien tourner là. Allez-y. Elle tourne comme... C'est bleu. Il va falloir qu'on s'attaque là du coup là. On était vraiment bien mais là maintenant il va falloir... Ils ont une spatule. Oh, c'est vraiment bien. Ils sont... Oh mon dieu. Vous avez un maillet en hêtre, vous avez une spatule et moi j'ai... La roue des couleurs. C'est la roue des couleurs. On a du polystyrène maintenant. Oui, c'est vrai qu'on est passé sur du polystyrène derrière. Je pense que c'est même encore plus utile de juste utiliser... C'est vrai qu'on a envie de faire ça, ouais. Mais oui, mais je crois que ça va pas m'aider beaucoup. Ah, écoutez, ça maroufle dur. Hein. C'est tu t'es fou de ma gueule. On essaie d'accrocher notre cadre. On essaie d'accrocher notre cadre. C'est important la déco. Tu me mets la 6, s'il te plaît. Bien sûr. Ok, Google, lancez Pornhub sur la télévision. Ok. Ça marche un petit peu en vrai. Ça marche un peu, mais je fais pas grand chose. Hein. Non, mais par contre, un levier. Oh, oui. Tiens-moi ça, Valentin. Oh bien! Messieurs, dis-moi. J'étais curieux de savoir en quelle matière est votre mur, vous. Alors, on est en multimatériaux. C'est 100 couches de multimatériaux, là, je pense qu'on est. C'est 100 couches de couches? Oui, bien sûr. Okay. On a une première couche de placo. C'est du placo, d'accord. On est arrivé sur la deuxième qui se compose essentiellement de polystyrène. Voilà, de polystyrène, bien sympathique. Comment tu sais la deuxième couche? Ah, il y a deux gros trous dedans, là. Hein? Mais nous, on a rien fait, nous. Ça donnait rien chez vous? Bah, là, ça commence, du coup, parce que tu l'as énervé. Comme quoi, la superficie, ça veut rien dire. Il y a le P3 du GP que vous avez énervé, là. Tu vois quand tu veux. Oh, le perfo. C'est-à-dire qu'on a une avance de fou, là, sur eux, là. Mais là, on est en train de parler. Ça a été toi, ta journée? Bon, écoute, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. On aurait fait un tuerie, tu perds, j'aurais perdu. Je vais te faire la meilleure imitation possible. Ok, je vais me retourner. Je te fais une imitation. Ok. Oui, c'est Kylian Mbappé, bah voilà. Putain. Tu vois. Mec, on aurait vraiment dû garder le contact depuis toutes ces années, parce que ça a pris un ballon. Oh, pardon. C'était mon doigt. Tu peux grimper, c'est bon. Une fois que t'as fait un trou, tu peux tirer la plaque. C'est... Et t'as raison. Oh, c'est de la brique. Ah, c'est de la putain de brique, frérot. Mais on est pas sorti, mon con. Bien vivant. À deux, on est plus fort. Ouais. Donne-leur ça, s'il te plaît. Oh. Et regardez, à côté, ils ont retiré un morceau qui est plus grand que votre prison.
Oh, wow. On n'a pas prévu d'espace pour mettre leurs déchets, donc on se permet de... Non, mais c'est des colis d'abonnés, c'est pas grave. Oh, la petite Léa nous a envoyé du placo. Attends, j'ai jardé une brique. Tu laisses enlève, tu laisses enlève. Donne-leur ça aussi. Oh, putain. Ils ont découvert la couche d'après, c'est ça. Oh, une brique. Super. N'hésite pas, regarde, on va pouvoir reconstruire. Mais voilà, faut pas boucher le trou, le but c'est d'en sortir. Pardon. Mais oui, non mais... Pardon. Le nombre de fois où Yvan a désactivé son cerveau sur cette chaîne. Ça aurait pu être un cerveau, ça. Bon, ça aurait pu être un barreau et après dans la gueule de... 1, 2, 3, 4, c'est le tir à l'arc, c'est le titi tir à l'arc. C'est le tir à l'arc, c'est le titi tir à l'arc. C'est le tir à l'arc, c'est le titi tir à l'arc. Ça va, vous? Non! Trois flèches! Yvan, c'est ta spécialité. Légolas, qu'on m'appelait. Ils ont un avantage considérable. Non, regarde, j'ai pas trouvé, moi. Non, ouais. C'est vrai que j'ai fait du tir à l'arc étant petit. Une fois, j'ai été troisième départemental. Ok. On a activé de parler tir à l'arqué, là! Mais le fait est que ce jour-là, dans notre catégorie, on n'était que trois. Le watch time! Donc troisième sans froid, c'est bien. Mais j'ai eu une petite coupe. On est bien d'accord, on regarde les vidéos de Mister Beast. Oui, ça oui, va oui, un peu plus vite. Est-ce qu'on peut faire ça à l'américaine? Oh non! Quoi? Oh, c'est pas mal. Les règles, c'est celui qui fait le plus de points, là t'as 7 points. En réalité, il y a un objet nul et un objet bien quoi. Allô? Non, je ne veux pas de pergola. Oh non, ça a pas collé. Bah ça c'était Lucie, voilà, j'ai adoré travailler avec elle en fait. Eh bien vous faire foutre, voilà, je l'ai dit. Oh là. Ah, pas bon. Eh, c'est mieux, c'est 8, mais... Ça fait 15 points, 15. Oh, pour la chance, la flèche elle fait la taille de notre prison à nous. Devinez dans laquelle Yvan a craché. Ah, je la vois. Oh, chouettos, oh, comme ça c'est pas mal. Ok, t'es prêt? Oui. 3, 2, 1. Wow, wow, mais mec, wow. C'était vachement cool. Non, c'était pas cool. Par contre, il y a des cadres derrière. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des cams. Arthur risque sa vie. Valentin, je crois en toi. J'ai juste un petit truc que je peux te donner. Essaie de bien viser. 3, 2, 1. Mais les gars, je suis tellement triste pour vous. Non, il s'en fout. Mouille la boue, mouille la boue. Je tiens à te dire que cette flèche ne sert à rien. Attends, mais Allez, vas-y. Allez, vas-y, Valentin. C'était presque à côté. Quoi que tu fasses, ça changera rien. Feu. Oh. Je vous amène tout de suite votre récompense parce qu'on n'est pas des brutes. Ah, oh, allez, on a quand même une récompense. Oh, le prix du débutant. J'espère que vous êtes à l'aise avec le Canada. Il y a tout ce qu'il nous fallait. Mais trop bien. Regarde la place qu'on a. Moi qui adore la randonnée. J'espère que vous êtes à l'aise avec le Moyen-Âge. Eh, hey, regardez, messieurs. Mais quoi, mais c'est quoi ça? Emoji qui fait ça. De quoi qu'on fasse, ça, ça ne sert à rien. Donc c'est juste chiant. Allez, on y retourne. Hein. Je vais me cacher derrière les toilettes, ça ne dérange donc pas. Ça. Oh. Ah, ça avance vite, hein. Putain. C'est bon, j'ai pensé. C'est bon, c'est parti. Oh putain, la vache. Attends, mais... Vas-y, nickel. Oh, j'aurais été Jeanne d'Arc, j'aurais pas fait la maline. C'est bon, moi, ça m'a énervé. On arrive, les gars, on arrive. Les gars, ça creuse tellement bien qu'ils sont en train de creuser un tunnel, ils arrivent par dessous. C'est ça que je tentais sous la pied. Oh, ça marche bien. Ça marche très bien. Okay. C'est sa jambe, son outil. C'est vraiment sa jambe. Oh non, j'ai perdu une boule. Oh non, il a perdu une boule. Il en reste une, on continue. Okay. Mais... Oh, hey, tu sens cette odeur hein? Ça oh, y est, ça sent les travaux. On ira mettre ça à la déchetterie. Mais il y a trop de polystyrène. C'est une dinguerie, ça. Qu'est-ce que ça dit? Oh, on dirait une mine anti-sous-marine. Attention, c'est hyper dangereux, ça, con. Tu n'apprends pas de plaisir. Mais il pleut des cordes. Il pleut pareil chez vous ou pas? Putain, un délire. La gueule des grêlons qui sont tombés dans le Vercors jeudi. Y a plus de saison, Maxime, j'ai toujours dit de toute façon. Ces cadeaux, ils l'ont cassé, donc c'est... Bah, hey, regarde-moi ça, on va rien y faire. Ça va, les gars? Ouais, ça va, on discute de la loi Carré, là, justement. Là. Ouais, on n'est pas trop d'accord avec ce qu'il disait. Y a un minimum en hauteur, ouais. Ce qui fait que vous êtes à 0 mètres habitable. Après, on est sur Paris, 1200 balles, ah, c'est oui. Pas si onéreux. Franchement, je prends. Je prends également. Messieurs, c'est le jeu du coffre fort, c'est le jeu du coffre fort, c'est le jeu du coffre fort, c'est le jeu du coffre fort. Merci les harmoniques, ben oui. Étaient très jolies. Dans ce coffre-fort, il y a un outil. La clé dans votre prison, cherchez-la. Aïe, aïe, aïe. Déjà, viens, on regarde ce qu'on a. Alors, voilà, on a fait le tour. Maintenant. Bah, cherche, aide-moi. Ah, bah oui, pardon. Qu'est-ce que je fais? C'est la première fois que je me mets debout. Eh, regarde le gain de place, une fois qu'on a enlevé la chaise. Si tu trouves quelque chose, n'hésite pas à me dire, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé rien. Attention, phrase énervante, ouais. Mais moi je sais. Ça, c'est le genre de jeu qui m'énerve. Qu'est-ce qui est si rigolo quand on sait où elle est? Au-dessus, bah, après, duvet. Ah, duvet, j'avoue qu'on a peut-être pas trop exploité. Ce serait pas collé, genre sous la chaise. Non, sous mais, la les gars, cherchez, je vous donne pas d'indice, c'est dans le duvet. Elle est dans du lait? Dans le duvet. Je pense qu'à mon avis, elle est scotchée, genre dans... Oh. Oh oui, elle est là. On a la clé, Maxime. Oh, ils l'ont. Putain. Je vais voir si elle ouvre le coffre. Hein. Oui, si vous avez la mauvaise clé. Ah non, ne dis pas vous ça. Vous êtes vraiment team jeton noir, quoi. Tu imagines. Vous avez la clé? Ils ont la clé. Yvan, t'es une merde. Allez, t'es là. J'ai la clé. On a la clé. Tu l'as dit en premier, t'as pas regardé correctement. Guilty.
Qu'est-ce qu'on a? Vous êtes à l'aise avec les animaux de la forêt? Oui, bien sûr. Ah, un pied de biche. Pourquoi un petit pied de biche? Bah, c'est un animal de la forêt. Maxime, ça va me permettre de refermer. Merci, j'avais perdu le double. Avec plaisir. Il y a toujours une petite récompense pour les perdants, on n'est pas des chiens. Ah, bah quand même. Vous regardez les V1 des vidéos, vous allez être surpris de comment ils ont eu l'idée de chercher dans le duvet. Franchement, c'est des putains de génies. Je vous le dis pas, vous découvrirez ça. Je leur ai dit. Viens, on met la table juste pour voir un petit peu la place qu'on pourrait avoir. Attends, regarde, si on fait comme ça, regarde. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Bon, et ça, on le dégage, non? Comment ça, regardez. Super. Accordé. Ils ont enlevé leur pergola. Et nous, on peut même pas enlever la table, elle est même pas rentrée de base. Je vais enfin pouvoir l'utiliser à bon escient pour pouvoir enlever ma chaussure. Non, attends, c'est pas un chausse-pied. Ah, c'est un déchausse-pied, par contre. Oh, putain, des lumières. Allez, cadeau, les potes. Oh, merci. Oh, c'est gentil. Avec plaisir. C'est mal me connaître. On a l'outil parfait pour faire un super levier. What the fuck. Il pensait me faire chier que ça rame. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Bah oui, bah oui, mais toi t'es con aussi. Oh merde. Faut réfléchir quand on me donne des outils, moi. Les gars, je suis désolé, je leur ai donné une pagaie pensant qu'ils allaient rien en faire. Ils sont en train de démonter le mur avec moi. Ok, ok. Allez-y, go, 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 go. Faut qu'on avance. Allez. Je fais des trous. Comme ça là, des trous de balles? Ouais, comment? C'était réellement des vrais trous de balles, genre des balles quoi. Pour... De pistolets. Je crois que tu parlais du cul. Non, non, bah non. Ok, super. D'ailleurs, hey, j'en ai marre de les voir eux. Oh, voilà. Vas-y, vas-y, continue, c'est bien. Continue. J'arrête de tambouriner ceux-là. On va s'isoler parce que là c'est plus vivable. Hein. Mais les gars, le but c'est de sortir, pas de s'enfermer. Ouais, oui, mais c'est qu'en fait on peut plus vous voir. Le premier qui peut plus sortir de sa propre construction. Ça n'a aucun sens. Faut faire en quinconce, sinon ça va tomber. Je connais pas ce mot, mais d'accord. Oh, 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 t'as vu toute la plaque là? Les gars, pour des raisons de vidéo, je vous demanderai de bien vouloir laisser un espace. Ça vient. Attention. Notre création. Ok, tu vas m'entendre? Allez. Hop là. Nickel, super. Et voilà. Je suis peut-être en train de comprendre pourquoi j'avais plus fait de tournage avec lui depuis pas mal de temps. On est sur du polystyrène. Tu sais quoi, je vais essayer de regarder déjà on a combien de centimètres. J'ai une référence de ça qui est 8 cm, qui est donc la taille de mon sgeg. Oui, 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 oui. Oh la vache. Oh putain. Je me permets. Eh, ça va là? Dépêchez-vous, on sort dans 2 minutes. Hein. Messieurs. Je vais vous demander un petit peu plus de courtoisie. On va passer à un jeu qui s'appelle le juste vu. C'est le juste vu. Vous êtes en duo avec quelqu'un avec qui vous avez partagé plusieurs feats, a priori. Okay. Quelqu'un que vous êtes censé connaître. Quelqu'un que vous pouvez même considérer comme ami. Uh-huh. Quelqu'un qu'il serait dommage de vexer. Oui. Bien sûr. Yvan, tu vas deviner le nombre de vues de la vidéo d'Étienne qui s'appelle 48 heures dans le monde du drift. Voici la miniature. Tu l'as vu, Yvan? Hein? Tu l'as vu, Yvan? C'est vrai, je l'ai vu en plus. 3, 2, 1, et c'est parti. C'est à combien de tièmes? C'est la deuxième. 300. C'est plus. Oh alors, mon salaud. Quoi? Il y a un chrono, hein. Quoi? C'est pas le temps de raconter 350. Ses vacances. Quoi? C'est moins. 315. C'est moins. 310. C'est plus. 312. C'est plus. 74. C'est moins. 73. Oui. Putain, franchement, tu m'aurais demandé à moi, je t'aurais dit 240 000. Bah voilà. Oh, tu vois, regarde comme il est modeste. Ah non, c'est trop bien. Néoxy, tu vas devoir deviner le nombre de vues d'une vidéo de Raven intitulée Je fais cuire des pâtes dans des liquides insolites, je suis choqué du résultat. Ah, c'est nul! Comment ça, c'est nul? On ne juge pas. J'ai publié ceci en 2018 et je suis pas fier. 3, 2, 1... Je pense que j'ai. Il tente le juste vu! Le 56 000 vues. C'est plus. Putain, tu marches bien, toi! Y'a un chrono! 65 000. C'est plus. 70 000. C'est plus. Mais tu marches trop bien! 80 000! 80 000! C'est plus. 120 000! C'est moins. Je suis pas si bon que ça, Valentin. 103 000! C'est plus. 104 000! Absolument. Oh! Et c'est tout à fait dans le chrono, tu l'afficheras dans ta prison. Oh, chouette, trop bien! En plus, on a des vis à parotte! Bien sûr, il faut être fier de ce qu'on fait. Mais manger des pâtes avec du coca. Ne faites pas ça chez vous! Pour la prochaine manche, on va passer à 30 secondes car c'est bien trop simple. Oh la vache, bah c'est bâtard! Étienne, sauras-tu deviner le nombre de vues réalisées par Yvan avec cette vidéo en couple avec une IA? Et c'est parti. 400 000. C'est plus. 420 000. C'est moins. 410 000. C'est plus. 411 000. C'est bon. Paf! T'as vu la technique? C'était vous trop bien. Connaissez bien. Vous connaissez bien. 2 points pour l'équipe des prisonniers. On passe à l'équipe des menuisiers. Raven. Oui. Celle qui est. Donc je teste les objets Instagram. Ok. La 14e ou la 16e, on sait plus. Et top. 600 000. C'est plus. Oh, il est fort. 900 000. Alors. C'est moins. 867 000. C'est moins. 840 000. C'est moins. 830. C'est moins. 820. C'est 770. C'est moins. Eh ben 750. C'est moins. 600. Il est nul. C'est mort. C'est tout. 650. C'est plus. 660. C'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini.
Je me trouve très fort à ce sujet. Tu manques de recul. Oui. Je m'adapte à mon public, je trouve que vous avez 50 ans et que vous avez bien besoin de vous dépenser, c'est pourquoi je vous propose de la marche nordique. Mais c'est tout ce dont on avait besoin. Que des trucs très longs et très chiants. Qu'est-ce qu'on gagne, nous? J'arrive. Je voudrais pas paraître médisant, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas très utile, ce bâton nordique. Il nous met quelques bâtons dans les roues. C'est quoi, un petit marteau? On prend. Merci, super gentil. Bah, avec plaisir. Oh, mec, quoi? What the fuck? Regarde ça. Une télé écran plat. Je crois que pour la première fois, ils avancent un peu. Ah, ça avance. Ah, bah, quand même. Je m'en sers comme piolet. Ouais, non, mais ça marche vachement bien. Je crois qu'on a un problème d'épaisseur. Prends-moi ça. Hop, vas-y. Par rapport au fait qu'on peut partir quand on veut. Ah, oui, qu'on peut vraiment lever le bâton. Ouais, on peut partir quand on veut, en vrai. Tiens, regarde, super. Hop. Nous, on est en pleine rénovation, personnellement. Les gars, je sens qu'il fait chaud, je vous aère un petit peu. Oh, quel plaisir! Wow, ça marche bien! Tu es une enceinte connectée, vous pouvez tout à fait me demander d'augmenter la vitesse. Hein. Dis, Maxime, puis-je avoir un volume 5, s'il te plaît? Ok, je lance Selena Gomez sur Spotify. Non, c'est pas ce que je t'ai demandé! Mais non, on n'a pas dit ça. Je la déteste, cette musique. Dis, Maxime, stop! Ciel nuageux à Quimper. Tu vois, c'est une question qu'on se posait pas. Il le fait. Oh oui. Rafraîchir un petit peu notre appart. On pensait mettre un petit béton ciré. Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr, ouais, bah oui, mais. Ah! Bon, on a peut-être un petit désaccord, finalement. Bon. Ça démarre bien, quand même. Ouais. Oh, regarde-moi ça. On a déboîté la couche de carton. Ça va, non? Il y a d'autres façons de toquer, hein. J'ai l'impression que vous avancez bien, quand même, non? Oh, oui. Non. Messieurs, le jeu des aimants, c'est... Le jeu des aimants. Oh. Le jeu des aimants, c'est le jeu des aimants. Attention, petite info, je suis derrière. Allez, on y va. Ça y est, ça commence. Oh, merde. Oh, oui. Mais ça va monter la prison. Il va tout ramasser, regarde. Non. Merde. Allez, salut. Lance-le, balance. Ah. Vas-y, je prends ça. Wingardium Leviosa. Hop là. Oh. T'as quelque chose? T'as bien tenté. Prends tout. Hop là. Oh, les pauvres, j'ai limite de la peine pour eux. Bah, voilà. C'est ça que je voulais depuis le départ, super. Voilà. Je vous ai toujours trouvé un peu trop loin de nous. Avatar, oh. Oui, non. Oh oui. Oui. Clément, ça! Oh! Ah, bah, j'ai le marteau! Oui! Qui remporte le marteau! Bon, on a des très bons objets! Ça, je sais pas à quoi ça sert! Bah, si, c'est quand tu fais pousser du bruit! Oui, c'est ça! Valentin. Plus. Ça. Raven. Valentin plus Raven. Mais ça ne veut rien dire! Comment ça, Valentin plus Raven? Rien du tout! Un petit cœur. Pourquoi un petit cœur? Attends. Pour rien! Pourquoi Valentin plus Raven un petit cœur? Pour rien! On est bien ensemble quand même, hein? Bah ouais, on est des prisonniers, on essaie de s'échapper quoi, mais... On se déshabille. Ah, il fait chaud, oui, mais après... Eh bien, on se déshabille. Non, parce que pour le micro-cravate, après, c'est des rangs, ah, oui. Ça, c'est chiant. Ok. T'as des idées bizarres, toi? Hein? Ok. Mais en tout cas, tu me dis, si tu veux te mettre à poil... Ah, Excalibur! T'as fait pas mal, mais... Non. Mais on passe un moment. J'ai cassé le manche. Oh, mais quoi? C'est un Nazgûl, ça, qui l'a... un Nazgûl, ouais. Est-ce qu'on serait pas les petits poissons qu'on essaie d'attraper avec le truc à aimant? Tu sais, t'as déjà joué à ce jeu quand t'étais petit? Oui. T'avais une boîte en bois avec plein de petits champs, oui. De petits poissons. Fallait la pêche que tu au canard. Ouais, non, bah là, du coup, la pêche aux poissons, quoi. Allez. Oh non, une épée toute neuve. Ouais. Je ferai jamais rembourser chez le forgeron, hein. Oh, il y a du métal derrière. Oh non. Donc on a ce retard-là par rapport à nous, en fait. J'ai envie de leur donner. Les gars, oui. Vous voulez une épée? Non. Non. Dis-leur d'aller se faire enculer. C'est comme ça que vous acceptez les cadeaux? Bah, ça sera le dernier. Ah, d'accord, on va la prendre. C'était pas voulu. Dis-leur qu'on la prend. On accepte le cadeau volontiers, c'est voilà. Vraiment super. C'est deal. Génial. Il a acheté l'épée, elle est passée par la fenêtre là-bas chez eux. Tu te fous de ma gueule, je te jure. Ah, oh, je voulais pas. Mais ça fait 30 minutes qu'on lui dit que c'est dangereux. Mais ça m'a l'air un petit peu attaquante. Non, mais n'importe quoi. Mais si, on va passer un nouveau jeu. Oh non, mais on n'a pas le temps d'avancer. Bah oui. Je vais tout de suite vous dire quels outils sont en jeu. Et les gagnants du prochain jeu pourront choisir quel outil. Le premier outil est une petite pioche de type Minecraft. Le deuxième outil est une meuleuse électrique. Oh là là là. Ok. Il nous faut la disqueuse de fou malade. Attendez, parce que le disque là, à vue d'œil, il reste 30% de vie, donc c'est pas foufou. Mais... ça va, Etienne, là. Le jeu s'intitule... Quiz égocentrique, c'est le quiz. Quiz égocentrique, c'est le quiz sur moi. Première question. Attention, si vous répondez trop loin, c'est juste vexant. Je mesure combien? 1m69. 1m68. 1m73. 1m67. 1m70. 1m74. 1m72. 72. C'était 72, t'es sûr, bien sûr. 1m72 en quelle année? C'est important, si c'est. Je suis né le combien? Oh, wow. Putain, je suis nul là-dessus. Merci, les gars, merci, top. Mois d'avril, non? Dis à Mixem, en quelle année tu es né? Ah, je suis en contradiction de là. Le 8 mars, 9 mars, 10 mars,
11 mars. C'est peut-être en sneakers. Enfin, mais que vous ne l'ayez pas, je suis pas vexé, mais là, je suis défait. Mais vas-y, vas-y, le 4. Le 4 mars. Ouais, c'est ça. Non ! Même moi, je le savais que c'était en mars. Reprends-moi la Redbox, s'il te plaît. Le plus gros youtubeur avec qui j'ai fité sur ma chaîne, il s'appelle comment ? Avec qui ? Smoothie. C'est une bonne réponse. Putain, mais oui, oui. Mais oui. C'est une bonne réponse. Je suis pas dégoûté, Fais chier. Quel est mon salaire annuel en pesos ? 1 500 000 pesos. C'est ça, du coup, le point accordé. J'en ai aucune idée, mais c'était accordé. C'était le premier qui répondait quelque chose. Citer au moins un boulot que j'ai fait avant YouTube, c'est maintenant, c'est le quiz, quiz égocentrique. Agent d'accueil, Terra Botanica. C'est vrai ? Ouais. Let's go ! C'est pas nous. Ah merde, c'était Ça fait 3-2 pour nous. Alors t'es de Mars, toi. Ouais, le 4. Tu connais la date, hein, nous, ou pas ? Hein ? Ouais. Allez, alors, c'est quoi ? Merde. Squeezie. Squeezie. L'équipe rouge, vous choisissez quel outil ? Tu nous envoies la bonus ? Allez, on fait comme ça. Si je peux vous rassurer, on peut pas l'utiliser pour l'instant. Mais nous, on peut l'utiliser maintenant. Attention, c'est dangereux. C'est énervant, ce bruit, hein. Ouais, c'est sûr. Pour la démarrer, faut tirer là. Non, ça marche pas. Oh. Trop chiant. Elle est chargée à fond, j'espère. Ouais, t'inquiète. Là, c'est simple. Il faut qu'on aille jusqu'au métal, parce qu'après, on a la meuleuse, donc ça sera beaucoup plus simple de traverser la couche du métal. Regarde ça, comme c'est super. J'ai l'habitude. Ouais, bien sûr. J'ai déjà fait des let's play sur Minecraft. Oh, okay. Il est pas mal, lui. Oh, il y a encore quelque chose derrière. Ah, il y a encore une couche. Mais faites ça, vas-y, mais voilà. Ah. Messieurs, bonjour, professeur. Ah, Pichon. Professeur, oui. Je suis ophtalmologue de profession. D'accord. Oui. C'est le jeu des ophtalmologues. C'est le jeu des ophtalmologues, un peu long. Ta vision, allez, c'est quoi, Valentin ? Allez, nickel, elle est top. Combien de dixièmes ? Oh, à peu près 8 sur 10. C'est pas mal. Moi, je pense que c'est bien. 8 sur 10, c'est pas cool. Pas fou, en réalité. Ok. Néoxy, c'est à toi. Connard. Oui. Bâtard. Oui. Les mots sont un peu... Ouais, un peu vexant. Enflure. Oui. Casse-couille. Oui. Bouffon. Oh, putain, mec, what the fuck. Mal baisé. Ah, bien sûr, ouais, mal baisé, ouais. Mal baisé. Ok. Putain, c'était vraiment ça, mec. Après, tu peux être fort au cul, parce que j'en peux rien. Vieille tête... Non, j'ai pas. C'est bien. T'es pas mal, vieille. C'est pas bite à la fin. Vous avez les deux mots, je veux le milieu. Vieille tête de bite. Vieille tête non. De... Non. Putain, mec, je vois Toulouse au milieu. Vieille Toulouse bite. Je pense pas que ça soit ça. Ah, putain, j'ai pas. On peut... Appelle un ami. Y'a pas. On s'arrête là. Ouais. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal. Je vais quand même vous dire ce que c'était. Ah oui, ouais. C'était vieille trousse à bite. Oui, j'étais pas loin avec le Toulouse quand même. Messieurs, ouais, on va passer au jeu des ophtalmos. Ok. Connard. Oui. Bâtard, enflure, casse-couille. Ça se fait plein de dire ça à son patron. Eh, j'ai cherché un prétexte pour vous virer, c'est bon. C'est là que j'aurais besoin de mes lunettes. Vieille truite à lettre. Bien, c'est ça, bien joué, Yvan. Nickel. Écoutez, il y a 4 mots. Sur les 4 mots, ils en ont eu 2. C'est connu un peu ou pas trop ? Eh, franchement, ça devrait l'être. Je suis d'accord que ça devrait l'être. Non, je suis incapable. Messieurs, je suis désolé, c'est perdu. Vous avez eu un mot, ils en ont eu 2. Ils ont eu vieille et bite. Et au milieu se trouvait trousse A. Ça fait vieille trousse à bite. Trousse à bite. Vous remportez le jeu des ophtalmos. Yeah, yes. Excusez-moi là, c'est une ouverture sur le monde que vous nous proposez là. Oui, c'est vrai, on a envie de voir prendre un peu l'air finalement. Ah oui. Faut que ça circule. Ouais. C'est en calme donc on a le droit de sortir. C'est en calme. Oh wow. Oh damn, une scie sabre. C'est hyper dangereux, ok. C'est très très dangereux une scie sabre. Par contre, on a réussi à faire un trou donc il y a moyen qu'on puisse faire quelque chose. On va exploiter ce trou, c'est ce que je dis à ma copine tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait là, hein? Mais on est à la meuleuse, hein, donc je vais. Bah oui, bah, c'est parti, bon, on s'équipe là. Il est important de bien me préparer et la zone avant de découper avec la meuleuse. Pourquoi ? Parce que s'il y a des cartons dans la zone, il y a risque d'incendie. Et l'incendie, c'est chien. Oui, bah entrez. Ah, pardon. Non, mais on voulait faire un petit œil de bœuf ici pour qu'on puisse voir de l'autre côté. T'as fait le trou d'un obus de la gare. Vas-y, tape. Ça bouge bien fort derrière. En vrai, ah ouais, c'est sûr, c'est la dernière fois. Ah, tu penses que bois, c'est dernière? Oh, attends, mais si. Vas-y, je sais que t'es inspiré là, Valentin. Moi, tu veux que je fasse quelque chose? Je sais rien depuis tout à l'heure. Non, fais rien. Tu veux que je ferme ma gueule? Oui, voilà, exactement. Okay. Tu restes là, tu la fermes en fait. C'est un peu direct, je trouve. Non, mais attention, c'est une cohésion d'équipe. Ouais, mais tu m'en veux. Mbappé dans l'équipe de France, tu crois Mbappé. Il est là, il fait fermez vos gueules. C'est moi qui marque maintenant, vous me faites pas chier. Dis pas ça. C'est la même chose. Bah ouais, bah bien sûr que si. Tu me fais peur avec ta pioche. Combien de fois on a vécu cette scène? Nous deux à attendre. Beaucoup trop de fois. Oh, tu le vois, Speak. Lui, c'est sûr qu'il est dehors. Oh, ça a traversé. Mec, regarde ça. Oh. Wow. Oui. Ok. Là. Yes. Maxime. Quoi? Les gars, pour info, ils ont traversé. Ils ont traversé, mon pote. Vas-y, avec le disque, vas-y. Non, ça sert à rien. Voilà, c'est ça que je voulais pas. Donc, pas sur le bois. C'est le jeu de devine mon doigt, le jeu de devine mon doigt. Ça, c'est pas ton doigt. C'était quoi? Le majeur. C'est perdu, vous êtes nul en doigt.
Lui. Ah putain, non, ça c'est le majeur, ça c'est le majeur. J'ai les doigts si gros. Vous êtes nuls. Pour moi, c'était du boudin blanc. Attends, on est des merdes quand non, même. Non, non, c'est non. Encore lui. Les gars, regardez ma main avant de jouer parce que là, ça va pas. Ok, il nous a montré sa main. Ok. L'auriculaire. Oui. 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 Oh putain, on est bon. On est pas si bon, ça me décide. Pourquoi ils ont discuté? Ils ont joué au Guess My Finger. J'ai mis un doigt dans le trou, ils devaient deviner lequel c'était. Valentin, j'ai commandé sur Uber Eats une petite disqueuse. On va voir ce qu'elle vaut. Je vais quand même me permettre, hein. Voilà. Oh, waouh. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mec, je sais pas, il regarde. Regardez dans votre petit trou, je pense qu'il y a des trucs intéressants. C'est bon? Mais non, c'est pas vrai! Oh putain, mec, mais faut qu'on te pêche! Allez, let's go! Tiens, on va prendre leur avancée en attendant. Mais non, mais ils sont pas si bien que ça! Mais si! Et la disqueuse qui vient d'être allumée sur la droite. What the fuck? Oh putain! J'ai des étincelles à droite, des copeaux qui me volent dans la gueule à gauche. Ça marche. C'est la phase finale, mesdames et messieurs. Vous y arriverez pas, on gagnera, vous m'entendez? Quoi? Vous remplacera pas, vous nous remplacera pas. Ouais, ta gueule! Parler. Ok, c'est notre crew. Ah, et on me dit dans l'oreillette, nique ta mère. On joue à CDI, bordel! Alors bouge ton cul! Putain, je veux pas pouvoir chasser la dent! Pouvoir chasser la dent! Pouvoir chasser la dent! Pourquoi tu dis ça? Je sais pas ça, en fait. Encore une fois! Je dois maintenir une énergie positive. Vous nous volerez pas les sacs cadeaux, vous nous entendez? De créer de la cohésion, peut-être entre deux duos qui n'ont pas l'habitude de tourner ensemble. En plus, je suis hyper content de recevoir Raven et Neoxy. Toujours les messieurs! Faut que je sois au top. Et toi, tu m'insultes. J'ai compris comment l'énerver. Je lui ai parlé de ses privilèges d'entreprise. Ah, c'est bon. Ok. Échec vacances. Bon, tu lui enlèves. Regarde. Ah oui, putain. Très fort. Et bien, c'est vraiment super serré. Il y a l'équipe d'à côté qui vient de décrocher un pan entier de métal. Oh, wow. Je sais réellement pas du tout qui va gagner. Yvan, tu passes, là. Non, peut-être pas. On y est presque, tiens. C'est bien, ça, Valentin, c'est bien. On déplace la prison. Allô, maman. Ouais, ça va? Oui. Oui, on passe ce week-end manger à la maison. Eh ben écoute, tartiflette, ça marche super. Je te laisse. Ils ont aucune technique. C'est ça, il n'y a pas de bricoleur. C'est bien, Valentin. Ah oui. Allez. Oh oui, bien. Joli ça. Allez. Je vais pas péter. Oh oui, ils utilisent des briques. Déchire-moi ça et on sort. Ok, ils vont passer. T'es prêt ou pas? Vas-y. Toujours qu'on y est. Vas-y, Val, vas-y. Oh, ça c'est mon poulain. Oh non, les bâtards, ils sont là. Oh non. Mais c'est fou. Ça passe. C'est bon. Super. Ah, merci les gars. Ça va, vous? Moi, je veux bien qu'on m'aide aussi, moi. Hop là, je ne bouge pas, vous me soulevez. Yes. Ouais, moi, je vous aide de loin. C'est good. C'est une victoire du duo. Et aussi, merci les gars. Merci la team. Les gars, merci d'être bien venus. Bien moi, merci infiniment. Bah non, mais ça fait plaisir de pouvoir sortir, juste. Ça me gêne de ouf, je suis désolé, mais je suis collé. Ah, pardon, faut pas hésiter à mettre de l'huile. Voilà, c'est bon. Voilà, 4 ans, c'était déjà bien. C'est vrai que c'était sympa. On s'est déjà bien amusé. J'ai hâte de faire les 100 couches, là. C'est la fin de nous. C'est vrai? Ah ouais. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao. Oh, la chaîne de Raven dans la description. Oh, merci la chaîne de Neoxy dans la description. La chaîne d'Etienne et Divan dans la description. Au revoir.